Salut les amis, c'est Kilam, qui plus intime. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cops. Cops numéro 46, 47, je sais plus, il y a eu un petit peu de retard. J'ai tout expliqué sur Facebook et Twitter, donc voilà. Si vous voulez savoir, il suffit d'aller voir sur Facebook et Twitter pourquoi il y a eu du retard, pour les curieux, voilà. Et sinon, bah, on y va les amis. Aujourd'hui, je suis la police nationale en moto. Donc, je suis le motard de la police nationale et on va intervenir sur des interventions plutôt rapides. Alors, la moto a été faite par la Baro Team, mais il y a aussi Matt Z-Paul qui a participé. Enfin, ils ont fait la texture parce que le modèle a été fait par un anglais, je crois. Enfin, voilà, par quelqu'un d'autre. Et eux, ils ont fait la texture pour la mettre en police nationale. Et vraiment cool. Donc, la Baro Team, Matt Z-Paul, je sais qu'ils travaillent un peu ensemble. Enfin, voilà, le lien dans la moto est dans la description, comme d'habitude. Et nous, on va faire des interventions. Hop, excusez-moi, le nez qui gratte. Ça arrive. Et donc voilà. Alors, intervention, c'est parti. Strawberry. Super. Ok, d'accord. Là, on a. On va vite intervenir sur les lieux. Donc voilà, va armé dans la supermarket. Donc on y va. On y va vite. Il y a un hélicoptère apparemment. Non, il n'est pas avec nous l'hélico, je ne sais pas. Je pensais. Mais je ne crois pas. Alors je sais pas si je suis le seul qui va aller sur les lieux. C'est dangereux, hein, la moto. Motard de la police nationale, c'est un métier dangereux quand même. Hein. Ok. Peut-être appeler quand même du renfort sur les lieux. Parce qu'on a un vol à main armée quand même. Je vais aller vérifier ça. Voilà. Ouf. Je l'ai eu. Bonjour madame, vous allez bien? Voilà, tout va bien madame, tout va bien. Tout va bien, qu'est-ce qu'il avait mis sur sa tête? Ah, c'était un moitié une cagoule, ok. Je l'ai eu. Eh ben, j'ai bien cru que j'allais prendre une balle aujourd'hui. Allez, fin d'intervention. Ne me remerciez pas madame, ne me remerciez pas. Je sais, je suis votre héros. Allez faire votre inventaire. Bon. Du coup, eh bien, le supermarché ne s'est pas fait voler. Ça, c'est bien. On va appeler la morgue. Hein. Par contre, hein, bon, bah, il est mort par balle, bien évidemment. C'est des choses qui arrivent. Bon, madame, vous me vendez pas un petit truc non. Elle veut rien me vendre, du coup. Voilà, madame. Ne marchez pas sur le cadavre, madame. Hein. Les légistes vont arriver. Restez là, madame. Restez là. Ne regardez pas, madame. Ne regardez pas. Ne regardez pas ce cadavre, madame. Non. Non, je vous retiendrai, madame. Il faut pas regarder, madame. Vous allez être choquée. Ah, voilà, vous êtes là, vous, enfin. Non, je ne faisais rien avec la dame dans le... Je ne faisais rien avec la dame. Oh, la moto qui l'a renversée. Ça, c'est les collègues, ça. Ils respectent pas le matériel de nos jours. On a un conducteur armé. J'avais pas vu. Nouvel appel. C'est parti. Nouvel appel. Aïe. J'avais pas vu le poteau. Nouvel appel, conducteur armé. Ça a cassé la vitre devant. Ah si, ça cassait la bouteille, c'est bien fait. Bon, bref. Nouvel appel. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis par là. Donc, on a un conducteur qui serait armé. On va essayer de... Voilà, il va falloir vite intercepter cette personne. Sûrement dangereuse. Waouh, la violence. Voilà. Alors on va prendre le pistolet. Sortez de là madame, sortez de là. Ok. À terre. Posez votre arme. Elle avait une arme, je sais pas, elle a mis un truc par terre. On dirait qu'elle a acheté quelque chose, elle essaye de cacher quelque chose. Voilà madame, venez là. Je vous arrête madame. Voilà, attendez, bougez pas. Voilà madame. Alors, comment ça se fait que ça? Apparemment, vous aviez une arme. Montez dans le véhicule là. Non, vous n'allez pas vouloir monter dans ce véhicule là. Alors, montez dans ce véhicule là, madame. Mon collègue va vous emmener
Non, bon, mes collègues ne veulent pas travailler aujourd'hui. C'est des feignants. Donc, je vous appelle un véhicule. Ah, bah ça y est, tu le prends du coup, tu la prends? Super. Bah voilà. Voilà, c'est pas mal ça. Pour m'occuper du véhicule qui va partir. Bon, bah foulez-y à la bière. Apparemment, elle était armée quand même. Faudrait faire attention. Ou alors, c'est une erreur. On va appeler la dépanneuse qui va venir chercher ce véhicule. Comme ça. Voilà, la dépanneuse arrive. On dégage la voie. On va pouvoir repartir pour de prochaines interventions. Alors, nouvel appel, les amis. On a une personne avec un couteau. Donc, c'est parti. On va aller voir ça. Apparemment, il y a quelqu'un qui se promène avec un couteau. Où est cette personne? Ce serait par ici. Est-ce que ce serait cette personne? Mais oui, cette personne est un couteau. Bonjour! Ne bougez pas! Ne bouge pas! Voilà. Ah ouais, quand même, d'accord. Une personne avec un couteau prend la fuite. Voilà, on ne bouge pas. Les mains en l'air. Oh, tu bouges pas. Lâche ton couteau tout de suite. Voilà, parfait. On se relève, monsieur. Monsieur, il est interdit de se promener avec un couteau comme ça dans la rue. En pleine main, en plus. Donc, monsieur, je vais appeler un véhicule qui va venir vous chercher. Et vous allez être interrogé. Commissariat. Pour possession d'un couteau en pleine rue, comme ça. Voilà, et j'ai une course-poursuite en cours. Le suspect est déterminé. Et on a une poursuite de véhicule rapide. Voilà, tu t'en occupes vite. Moi, je repars. Hop, je vais mettre mon casque quand même. Hein, quand même, attends. J'ai pas envie de mourir. Allez, on y va. Alors, grosse intervention là. Enfin, grosse non, mais grosse course-poursuite apparemment. Oula. Je sais pas quelle heure il est, mais je crois que c'est un petit peu l'heure de pointe. Alors, il va falloir faire attention. Ok, c'est ce véhicule là. C'est le Blista, d'accord, ok, c'est la Blista. Je m'attendais à un plus gros véhicule que ça. Arrêtez-vous. Alors, on va essayer de l'arrêter. Alors, en moto, c'est pas facile. Mais peut-être que je vais essayer de pas me faire percuter. C'est ça le plus dangereux, en fait, en moto, c'est... Voilà, faut pas se faire percuter. Essayer de le bloquer. Waouh. Sans se faire percuter, sans se faire écraser, sans tomber. Ça, c'est dangereux, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de fuir. On roule vite avec sa Blista, quand même. Hein, normalement, il devrait pas avoir trop de mal à... Il devrait pas le perdre. Ah, j'ai des collègues qui arrivent. Voilà. Bien joué, elle était bloquée, tu l'as débloquée, génial. Bien joué, Maurice. Bravo. Voilà, donc la police fait encore plus de meurtres que les autres... Comment elle a écrasé, bordel. Calmez-vous tous. Arrête. Ils sont encore plus horribles que moi, les autres policiers, quoi. Peut-être pas entendu la sirène, le monsieur. Aïe, excusez-moi. C'était pas prévu. Arrêtez-vous! Non! Attention, ma jambe! Écrase la jambe, hein! Cette personne est prête à tout pour fuir! Pour ne pas s'arrêter! Police nationale! Vous devez vous arrêter, monsieur! Je suis coincé, il a coincé les véhicules! C'est bien, c'est parfait! Il essaye de fuir! Appuyez! Hop, un petit sourire! Salut! Ne bouge pas, tu bouges pas! Tu bouges pas ou je te défonce! À terre, dépêche-toi! Le mec il le pousse, il n'a pas le temps de se mettre à terre! Dépêche-toi! Ah ouais, t'as cru qu'on rigolait avec toi en fait? Je rigole pas moi!
relèves encore? Tu aimes te faire taser apparemment, c'est ta passion dans la vie. Voilà. Ah, il est chaud lui, dès qu'on lâche l'arme, regardez, il s'en va. Hein. Hop là, non, 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 allez, tu t'allonges. Tu t'allonges tout de suite! Oh! On est 6 contre toi, tu ne peux rien faire. Allez, les mains dans le dos. Voilà, parfait. Messieurs, je vous laisse vous en occuper. S'il vous plaît, un de vous qui s'en occupe. Ok, le véhicule arrive. Le véhicule arrive. Les gars repartent à pied. Ils sont venus en voiture, mais ils repartent à pied. Je suis là ici. Viens là, Francis. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, hein, petite. J'étais obligé de me moucher. Oh, Francis, t'as failli te faire écraser, mon dieu! Fais attention! Waouh! Des terroristes! Oh mon dieu! Waouh, des terroristes qui ont apparu juste à côté, ils ont voulu nous tuer! Bon, bah, je crois que c'est fini, hein. Moi, je me couvre, hein. Voilà, voilà, on a eu une belle explosion. Wouah! Eh ben dis donc. Voilà, les collègues arrivent. Hein. Non, pas du tout. C'est pas pour ça. Très bien. Très bien, une explosion. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Je vais au moins éteindre l'incendie, moi. Hein. Je suis le premier sur les lieux. Ah, effectivement, c'était cette personne. Ah, les pompiers arrivent. Super, je fais les premiers secours. Voilà. Ouais, monsieur, je vous ai fait votre boulot. Va falloir débarrasser les carcasses. Hein. Je vais appeler les dépanneuses. Hein. Il va en falloir des dépanneuses. Ah, le conducteur est dans le véhicule, donc je ne pourrais pas le... Ah ouais, avec les conducteurs dans le véhicule, en fait... Ah bah, faut appeler la morgue. Eh oui, je suis bête. Appelons la morgue. Médecin légiste. Oh mon dieu, quelle explosion! On a eu chaud! Alors j'ai pas de plots pour les mettre, c'est dommage. J'ai pas remis le mode avec les plots. Et du coup c'est dommage. Alors, la morgue va arriver. Ah, ce véhicule là, il peut être emmené par la dépanneuse. Les médecins légistes vont arriver. Et vont s'occuper. S'occuper des cadavres. Si ils arrivent à se dépatouiller là-bas, parce qu'ils sont en train de se battre, j'ai l'impression. D'accord, les légistes se sont retournés avec leur véhicule. Ils me déprime. Non, sérieux, vous êtes vraiment bêtes. Hein. Ils sont vraiment bêtes. Hein. Vous venez prendre des photos? Ah, ça y est. Ça y est. Mais ouais, mais je peux pas bloquer la route. Et non, ouais, non. Je peux pas bloquer la route. Ah si, peut-être si je fais ça. Peut-être que ça va bloquer la route, je suis pas sûr. Allez. Enlevez-moi tous ces cadavres. On va peut-être pas laisser traîner ça. Il y en a encore, messieurs, il y en a encore. Hein. Ça y est, hop, je vais pouvoir appeler la dépanneuse. Ah, c'est un travail de patience, hein. C'était pas prévu, hein. La moto est toujours en plein milieu là-bas. La route est fermée, circulez. Hop, une dépanneuse. Je sais pas si celle-là a appelé, celle-là. Voilà. Il faut tout nettoyer maintenant. Ah, regardez-moi, je chante. Encore une voiture là. Une dépanneuse.
en fait des dépanneuses, hein. Le mec, il peut pas appeler j'ai besoin de 4 dépanneuses. Non, non, il les appelle une par une. Hein. Voilà. Hop. Et il reste un véhicule. Ah, il reste encore 2 véhicules. Donc là, il y a encore un cadavre. Je peux rien faire. Voilà. Hop. Allez-y, je m'occupe. Voilà, l'autre dépanneuse arrive. Eh ben dis donc. C'était pas prévu ça, hein. Mais c'est des choses qui arrivent. Des imprévus, parfois. Les choses sont risquées. Ah bah oui, vous avez plus de véhicule, oui, bah oui, bah, vous débrouillez. Voilà, parfait. Allez, les véhicules vont être embarqués. Génial. Je vais aller chercher ma moto. Ouais, il y a un véhicule qui a brûlé ici aussi. Ou alors c'est le véhicule. Ah, je crois que c'est le véhicule, il a dû tomber de la dépanneuse. Il a pas remarqué, tu sais. Le boulet. Non, 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 pas ma moto, pas ma moto, c'est pas ma moto, c'est... Non, pas la moto. Imbécile. Viens me chercher ce véhicule là. Voilà. Il galère avec son truck là. Voilà, viens me chercher ce véhicule là, il est tombé. Mon collègue il voit rien. Mais c'est encore un véhicule qui devait être récupéré ça. Toi tu t'occupes du blanc là, toi tu galères, tu t'occupes du blanc. Hop là, on va rappeler une dépanneuse. Et là. Ah, après c'est bon hein. Ouais, j'ai autre chose à foutre moi. Voilà, c'est bon. Ouf. Et le rouge va s'occuper du véhicule blanc quand il aura compris ce qu'il devait faire. Hop, on va remettre le casque. Enfin, eh ben dis donc. Ouf. Quel boulot exténuant. Bon bah avec ça. Ouh là 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 là. Attention, attention, qu'est-ce qu'on a là? Très bien, c'est parti. Course. Une course de rue apparemment qui est en train de se dérouler. Alors ça c'est parfait. On a besoin de des motards. Hein. On va essayer de rattraper ça et de les calmer un petit peu. On va essayer d'avoir, je pense que c'est une course, ils doivent être minimum deux véhicules. Deux véhicules à arrêter, qui doivent rouler à grande vitesse en pleine rue, en pleine ville. Ils ne connaissent pas. Oh, oh, je les ai vus, je les ai vus. Je les prends ensuite, je les prends ensuite. Je les prends en chasse plutôt. Oh, accident du premier. Ok. La personne a essayé de me percuter, la personne a essayé de me percuter. Ils sont plusieurs, ils sont plusieurs. Ils sont quatre. J'ai besoin de renforts, j'ai besoin de renforts. Appelez les renforts. Allez les gars, on les chope. Et on a besoin des hélicos, c'est des fous dangereux. Ils ont essayé de m'écraser. Ah. Mais non, bordel. On en a un qui s'est échappé. Oh non. Les autres ne s'échapperont pas. J'ai appelé des hélicos, j'espère qu'ils vont en prendre un chacun, pas tous de même. Ok. Il y en a un qui a réussi à s'échapper. Alors l'autre il a tous les flics du monde au cul. J'espère que... Il y en a un qui a l'hélico, l'autre à gauche a pas l'hélico. Je vais m'occuper de celui-là qui a pas l'hélico. Ouf. Chaud hein. Alors lui je me suis fait percuter par mes propres collègues. Ok, donc il y en a un je pense qui s'est fait arrêter, on a eu un suspect. Moi je vais essayer d'aller aider l'autre, l'autre il a l'hélico, normalement il pourrait pas se sauver. Oh il l'a perdu de vue. Faut vite que... On a un suspect qui s'est encore échappé. Oh lui il faut pas que je le perde. Toi je t'aurai toi mon gaillard. Ah c'était une course de 4 voitures en fait la vache. Ok je coupe un peu. Oh freine. Parfait. Toi je t'aurai. Arrêtez-vous! C'est j'ai l'hélico avec moi, parfait!
Ok, j'ai les hélicos avec moi du coup. Ok, les trois hélicos, ils ont dit c'est pas grave, on les a pas eu, mais les autres on les aura. Je crois qu'on en a eu qu'un. Bon, il y a les collègues qui arrivent aussi. Sortez du véhicule. Ok, il a pas voulu sortir. Wow. Ses collègues sont fous. Yeah. Ah ouais, lui il est chaud lui, hein. Il va pas s'arrêter comme ça. Ok, il part dans les docks, il va essayer de nous semer dans ce labyrinthe. Arrête! Marcel, fais pas le con, hein. Oh putain, Marcel, je te sens pas, toi. Arrêtez! Ok. Personne roule en... Non, je veux dire une connerie sur la marque de la voiture, je préfère pas. Oh, le petit coup, là. On ne fait pas de course dans les rues. Dans nos rues. Mais c'est une femme. Ouh, ai-je bien... vu? Me suis-je pas trompé? La perdez pas, la perdez pas. Toi tu vas prendre cher. On pourra peut-être l'interroger et trouver le nom de ses complices. Arrêtez-vous. Hop là, je me décale parce que je les connais, les deux autres là. Ouais, bah alors moi la barrière elle s'ouvre pas bien évidemment, hein. Elle veut pas s'arrêter, hein. Madame, arrêtez-vous. Wow. Allez, j'essaie de me mettre devant. Oui, il a percuté. Allez, ouais, 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 elle va me shooter, elle va me tuer, hein. Ok, oh joli, joli ça. C'est joli ça. Bien joué les gars, bien joué. Tu descends là, tu descends là. Tout de suite. Vous avez failli me tuer à cause de vos conneries là. Voilà, mange ça déjà. Oh là là. Ça calme, hein. Oui, violence policière. Voilà, ouh, allonge-toi sur la voiture. Elle essaye de nous soudoyer. Ne tombez pas dans son piège. Un moustique. Ne tombez pas dans son piège. Oui, regardez. Francis, résiste à la tentation. Calme-toi, arrête de regarder son fessier. Je vais m'en occuper. Laissez-la moi. Alors madame, on essaye de... Voilà. Calmez-vous madame, allongez-vous calmement. Voilà, je vais vous passer les menottes. Voilà, descendez de là, c'est mieux. Vous allez vous faire mal. Et voilà. Alors, donc deux suspects ont été arrêtés et deux suspects se sont échappés. Parfait, ça va. On a arrêté la moitié. Heureusement que j'avais appelé du renfort. Qui c'est qui s'en occupe? Okay, j'ai besoin d'un véhicule pour pour la dame là, faudrait la récupérer. Tu la prends, Maurice? Non. Apparemment personne. Personne ne veut de vous. Ah. Non, non, toujours pas. Bah, qui c'est qui s'en occupe les gars là? Oh. C'est pas à moi de. Oula, c'est pas à moi de la ramener, excusez-moi, petit ok. Bon bah tant pis. Bon bah écoutez madame. Ah bah oui, j'ai mis fin à l'intervention. Bah oui, ça a mis fin à l'intervention. Bon. Ah ouais, donc du coup elle est plus considérée comme suspecte. Suspecte. Si je fais ça. Je vous relâche. Ne dites rien. On s'appelle, donnez-moi votre numéro. Voilà. Non je déconne. On est là. Mais j'ai quand même votre numéro. Voilà. Allez. J'avais une solution pour vous arrêter, moi. Voilà, ma petite dame. Et maintenant, je peux appeler un suspect. Non, je peux pas appeler la police. Vous m'embêtez, vous savez. Attention, all
Un véhicule va arriver, d'autant que j'appelle une dépanneuse. Voilà. Parfait, là le véhicule. Voilà, montez là-dedans. Oui, toujours une solution au problème. Voilà, montez là-dedans, mon collègue va vous emmener. Montez dans le véhicule, madame. Voilà. Voilà, allez, tu l'emmènes, tu t'en occupes, la dépanneuse elle est là-bas, c'est super. Ma moto elle est où? Ma moto elle est passée où? Bah. Non, je suis un policier piéton, m'a volé ma moto, je l'ai même pas vue. Oh la honte. Policier qui se fait voler la moto. Bref, de toute façon on a fini. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le petit police national en moto. Donc c'était bien sympa. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait les amis. On se dit à bientôt, jouez bien jeux vidéo, éclatez-vous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis!